Juilletiste! Elle n'est pas encore rentrée. Juilletiste! Juilletiste! Juilletiste, mon amour! Juilletiste! Aïe! Oh la vache! Oh! Aoussia! C'est toi, mon bel Aoussia! Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est le 31 juillet! C'est le chassé croisé, le seul jour de l'été où nous pouvons nous voir. Oh non, non, mon beau Aoussia, tu ne vas pas remettre ça. Notre amour est impossible. Mais pourquoi? Bah pourquoi, pourquoi Mais parce que tu prends tes vacances en août et moi en juillet. Oh, juilletiste. Pourquoi es-tu juilletiste? Renie ton nom, abdique ton mois de vacances et viens avec moi. Jamais. Au mois d'août. Jamais! Jamais! Mon père est juilletiste! Ma mère est juilletiste! Mon frère est juilletiste! Ma sœur est fleuriste, mais pas quand même, c'est vacances au mois de juillet! Non, jamais, c'est impossible! Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les mêmes! Mais enfin, mon bigorneau! Non, non! Quel que soit notre mois de vacances! Nous sommes les mêmes blaireaux qui s'entassent sur la plage et qui font leurs besoins dans la mer. Ah, sauf, mon beau amour, que vous, les Aoussiens, vous vous baignez dans l'urine des juilletistes. Eh bien, si c'est la tienne, je veux bien boire la tasse. Oh, oh mon amour, comme tu es romantique. Enfin, quel que soit notre mois de vacances, nous achetons tous des beignets à 5 euros que nous faisons tomber dans le sable et que nous mangeons quand même, parce que c'est cher. Nous nous asseyons tous avec le cul collant sur ces chaises et slatées. Nous asseyons tous sur ces chaises bouillantes en plastique pour manger des tomates mozzarella à 42,50 €. Oui, nous sommes tous dans des campings municipaux où nous déplions notre tente quechua en une seconde et nous la remballons en 3 jours. À côté d'un couple d'Allemands en sandales et chaussettes qui nous font revivre la Deuxième Guerre mondiale toutes les nuits. Non. Et tout ça pour la modique somme de 4000 euros la semaine. Et tout ça pourquoi? Bah oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que ce sont les vacances. Eh bien, oh, partons, partons tous les deux à la mer, mais sans prendre de vacances. En juillet comme en août, elle est con. Mais c'est pour ça que je l'aime. Oh. Oh, mon bigorneau, si seulement j'avais les moyens de t'emmener en vacances pendant les 2 mois. Oh, mon Aoussia, mon beau Aoussia, mais pourquoi donc es-tu Aoussia? Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Ah oui, c'est pas ça. Oui. Oh, ma juilletiste, regarde-toi, tu es superbe. Tu es bronzée, tu es radieuse, mais es-tu seulement heureuse? Non, 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 car demain, dès 6 h, je reprends à la caisse du Monoprix. Eh bien, regarde-moi, moi, Aoussien, je suis blanc, mais je suis heureux, car demain, pour moi, c'est le soleil. Oh, 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 mais regarde ce beau juilletiste, il a l'air heureux. Il n'est pas juilletiste, il est martiniquais. Oh. Et il est peut-être enseignant, non? Non, non, fous le camp, fous le camp, fous le camp. Oublie ce pompier à la peau dorée. Abandonne ton mois de juillet et viens avec moi au mois d'août pour roucouler. Non, non, juilletiste je suis, juilletiste je suis. Et puis nous, nous avons le 14 juillet. Mais nous avons le 15 août. Et nous, nous avons 31 jours. Nous aussi. Nous, nous avons J-U-I-D-L-L-E-T, 7 lettres. Tandis que vous, vous n'en avez que 3. O-U-T. En juillet comme en août. Mais c'est pour ça que je l'aime. Oh, juilletiste, juilletiste, ma belle amour. Notre amour estival est impossible. Retrouvons-nous pendant des vacances qui coïncident pour tout le monde. Les vacances de Noël. Oh, oh oui, mon amour. Oh oui, nous allons être heureux dans les Alpes. Les Alpes? Je ne pars que dans les Pyrénées. Oh. Pyrénéen, Pyrénéen, pourquoi es-tu Pyrénéen, mon Aoussien?
Oh, viens me rejoindre dans les Alpes. Les Alpes? Jamais! Je n'irai jamais dans les Alpes. Jamais les Alpes. Oh, mon jamais. Mais mon père est alpin. Ma mère est alpine. Ma sœur tapine, mais elle va quand même dans les Alpes, les fêtes. Répétition. Un petit peu, quand Laurent même. Père et Isabelle Mergot Augustin. Alors là, moi, je dois dire que, on en parle après, on note d'abord, mais je me suis bien marré en tout cas. Attention, c'est parti, voici la note pour Florent Père et Isabelle Mergot. Dans le public, on note en même temps que nous, chez vous, en vacances. Notez aussi et comparez vos notes avec les nôtres. Voici sur 20 les notes de tout le monde. Éric Métayer a donné à Florent Père 17 sur 20, c'est très bien. Catherine Barma, 17 sur 20, c'est très bien aussi. Jean Benguigui, Caro. Moi, je vous ai donné 18. Voilà. Merci, bravo.